Bonjour à tous, comment ça va? Et ben voilà, on est en deuxième confinement, donc c'est pas facile pour les artistes, évidemment, donc toutes les dates sont encore annulées pour les mois à venir, donc ça commence à devenir vraiment compliqué. Moi ces dernières semaines j'étais en tournée avec Gaël Aurelou et Identité, le groupe de jazz et Maloya, musique traditionnelle réunionnaise. On s'est battu comme on a pu, on a maintenu la tournée malgré tout pendant 3 semaines, mais malheureusement depuis mercredi dernier on a dû faire sauter la dernière semaine de concert. Donc voilà, on s'en excuse, on a fait tout ce qu'on a pu, mais malheureusement on a dû annuler et rentrer plus tôt chez nous. Donc on ne jouera pas à Rennes, on ne jouera pas à Cran, on ne jouera pas à Lautrec, on ne jouera pas au Jam à Montpellier. Et j'en oublie forcément encore. Voilà, donc c'est bien dommage. Donc voilà où on en est. En ce qui concerne les concerts, et bah, du coup, tout est annulé, hein, de nouveau, jusqu'à une date ultérieure. Donc l'avantage, c'est que dans les conservatoires, certains conservatoires ont pu rester ouverts. Donc ça, c'est bien pour les élèves. On peut continuer quand même à voir quelques élèves. Et puis sinon, bah, ça va être cours en visio, comme au printemps. Voilà, en ce qui concerne la chaîne, et ben moi je vais continuer à essayer de faire quelques petites vidéos. Voilà, vous montrer quelques trucs encore et toujours. Et puis vous fournir quelques relevés de temps en temps. Voilà, et on va parler aujourd'hui d'un morceau du quintet de Miles qui s'appelle Seven Steps to Even. C'est un morceau de Victor Feldman, un super pianiste. Et voilà, aujourd'hui je partage avec vous le solo Derby. Derby Hancock dans la version de 63 et le solo de Benny Green sur le disque en trio de Ray Brown. Voilà, on s'écoute ça. Ça, vous le faites plusieurs fois jusqu'à temps que ça devienne naturel, en essayant de bien écouter le jeu de batterie et de choper vraiment toutes les dynamiques et tous les rebonds des phrasés de Derby. Thank you.
Une fois que j'ai appris le solo, que je l'ai joué sur le 10, etc., à différentes vitesses, en fait, je vais m'attarder un petit peu plus sur les phrases, les différentes phrases. Et ce que j'aime bien faire, c'est en fait les travailler comme une routine matinale, c'est-à-dire que c'est comme un échauffement. Je vais prendre des bouts de phrases du solo que j'aime bien, que je trouve pertinentes, et je vais les travailler effectivement lentement, aux deux mains, et les transposer. Et ça fera office un petit peu d'exercice de chauffe aussi le matin. Donc, par exemple, ici, on a cette phrase-là. À un moment donné, il joue ça. Bon, là, la phrase est un peu longue. Mais j'ai trouvé ça intéressant, le début sur le ré mineur. Puis, donc ici, on a ré mineur, la bémol mineur. Qui, en fait, a un sol 7. Puis sol mineur. Donc là, à vous de voir comment vous voulez le travailler. Si la phrase est trop longue, vous travaillez élément par élément, par exemple. Juste ça. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller très vite, hein. Essayant de travailler aux deux mains, pas trop vite, avec un son plein, et puis d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'assimiler vraiment l'élément de langage. Encore une fois, c'est important de le faire avec la main gauche aussi, parce que ça va nous permettre de travailler aussi les doigtés de la main gauche. Vous pouvez le faire aussi la main gauche toute seule. De délier la main, voilà, on s'attarde pas trop vraiment au contexte musical et tout ça, au placement rythmique, c'est vraiment juste un exercice de chauffe. Et donc ce que je fais, c'est que je prends plusieurs phrases comme ça et je fais un petit peu le même exercice. Un peu plus loin, il joue ceci. Après ça bouge. Donc on peut peut-être isoler cet élément-là comme ceci. Comme ceci. Relativement simple. Là, j'aime bien cet écart parce que c'est la 9e bémol du si bémol 7. Plus ou moins évident. Là, tout de suite, c'est moins évident que en mi bémol majeur. Donc, à vous de chercher vraiment de travailler un petit peu en détail pour trouver le bon doigté. Voilà, donc ça me paraît être un travail de chauffe assez intéressant. De la même façon, sur le solo de Benny Green,
À un moment donné, il joue ceci. Donc c'est l'approche de la bémol mineur. Donc après, à vous de travailler ça. Demain. Aussi, c'est celui-là. L'utilisation du triton sur le Do 7. Le triton, ça fait toujours tomber les partitions. Donc là, pareil, réfléchissez un petit peu à la façon de doigter la phrase. Des tonalités qui sont beaucoup moins évidentes que d'autres. Donc c'est un travail qui demande un petit peu de concentration, mais en tout cas, ça met bien mon doigt pour commencer la journée. Ensuite, vous pouvez mélanger les éléments. Donc, par exemple, si je prends les différents éléments qu'on a vus, il y avait celui-ci. Et puis peut-être le dernier. Avec le triton, ce qui donnerait. Voilà. L'idée, c'est vraiment juste d'avoir une phrase et de travailler un élément mélodique un peu plus long. Et donc là, moi, ce que je fais, c'est que, effectivement, je vais jouer ça dans les 12 tons. Je vais passer une petite heure à ça. Et mine de rien, j'aurais chauffé ma main gauche également. J'aurais trouver des doigtés, j'aurais trouvé des nouveaux éléments de langage à utiliser, des nouvelles phrases, et puis je me serais mis dans l'oreille, effectivement, du vocabulaire supplémentaire. Et je voulais mettre l'accent là-dessus. C'est-à-dire que le langage du jazz, les éléments de langage, sont communs, en fait, à beaucoup de musiciens, et c'est ce qui donne un petit peu cette caractéristique et cette couleur vraiment typique du jazz. Les arpèges, les chromatismes, etc., etc. Donc chacun se copie un petit peu, s'influence, et puis voilà, chacun apporte sa pierre un petit peu à l'édifice du jazz. Voilà, bon courage à tous, bonne continuation, et surtout, régalez-vous. Ciao.